que nous allons remettre ça, que nous allons remettre à Madame Fadija Gapsi au nom de son majesté le roi Philippe VI. Et non seulement l'a largement mérité, mais elle a suscité, comme vous le voyez, l'unanimité et l'enthousiasme chez tous les amis et admirateurs de Madame Gapsi, que vous pouvez bien le constater. Ils sont très nombreux et nous nous y ajoutons à la femme citoyenne quand même. De la rue de l'Israël catholique et les pauvres de ce monde. التوشيح ديال إيزابيلا لاكاثوليكا يعطيه ليا سون اكسيلونس السفير ديال المملكة الإسبانية هنا في مراكش. أنا فرحانة بزاف، التوشيح جا من طرف جلالة الملك ديال إسبانيا فيليب سيكستو، وكأنهم كشكر أو امتنان للخدمة اللي كندير هذه من دابا هذه 6 سنين هنا في مراكش، باش كنحاول نقرب كاع العلاقات بين إسبانيا والمغرب، نحاول أن المشاكل ديال الإسبانيين اللي كيزورونا يتحلوا، وبيان سور بالإعانة ديال كاع السلطات المحلية و المحاكم، البوليس، لا سيكوريتي، كلشي كيسهلوا عليا هذه المأمورية باش نخلي واحد الصورة مزيانة لأي زائر جا عندنا هنا لمراكش. تري كونتون دتر ici au musée d'Al El Bacha qui ce soir a à l'honneur la cérémonie de remise de la croix de chevalier de l'ordre d'Isabelle la Catholique à Madame Khadija Al-Gabsi, notre consul honoraire, la consul honoraire d'Espagne à Marrakech. C'est une cérémonie qui, pour nous, à l'ambassade d'Espagne, pour moi personnellement comme ambassadeur, a une portée très, très particulière, car nous sommes très reconnaissants au travail que déroule, que développe Madame Al-Gabsi dans cette ville et dans cette région, depuis 6 ans déjà, avec une intelligence, une générosité, un cœur surtout, qu'elle met dans son travail, qui fait que vraiment elle soit non seulement très plein de mérite et pour que nous lui fassions des louanges permanentes à son travail, mais elle a aussi su gagner l'amitié de tout le monde qui la connaît. Et c'est vraiment un maillon fondamental de l'amitié entre l'Espagne et le Maroc à Marrakech, et la meilleure preuve de la vérité de mes mots se trouve dans la quantité de personnalités qui vont venir ce soir à cette remise, car elle a su vraiment se gagner à elle-même un poste très important dans la relation hispano-marocaine que nous voulons célébrer ce soir.